Bon matin tout le monde, Madeleine de Inexpert. J'espère qu'il y a des gens qui sont prêts pour s'entraîner avec nous. Ce matin, waouh, ça va brûler. Donc, c'est pas tant des sauts qu'il va y avoir, mais on va travailler le fessier, les glutes, les quadriceps, l'intérieur des jambes qu'on appelle les adducteurs et les abducteurs. Fait qu'on va travailler vraiment tout ce qui est la partie des fessiers, que ce soit avant, arrière. Donc, pour vous expliquer vite fait, il y aura un warm-up de 4 minutes en Tabata pour réchauffer les parties du corps qu'on va travailler. Ensuite, nous avons grossièrement un 20 minutes d'exercice de jambes. Ça va être des 1 minute répétition. Quand il y a deux jambes, dans le sens, oui, nous avons deux jambes, mais quand on sépare l'exercice, ça va être du 30 secondes, 30 secondes. Donc, je vais vous donner le cue quand c'est le temps de changer de jambe. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller à votre rythme. C'est pas la vitesse en tant que telle parce qu'on a une minute d'exercice. Donc, s'il y en a qui veulent sauter, vous allez voir que mon garçon va souvent faire la partie upgradée. Faut que je le fasse travailler, puis moi, je veux rester avec vous autres jusqu'à la fin. Donc, Alexis va faire la partie over avec des poids en saut. Ma fille va me suivre ce matin. Et j'espère que vous aussi, vous allez nous suivre. Fait que je vais toujours démontrer les trois niveaux d'exercice. À vous de voir lequel vous faites. Restez avec moi et on va terminer à la fin avec un 8 minutes en Tabata abdominaux. On met de la musique, on s'amuse, on va se réchauffer. Je vous donne les quatre exercices à l'échauffement. Donc, le premier sera un 20 secondes de course. Deuxième, le squat. Troisième, lunge arrière. On réchauffe les jambes. Et le quatrième, on descend ici et on remonte. Je ne vous demande pas de faire de push-up. Ce n'est pas les bras que je veux qu'on échauffe. C'est vraiment, je veux qu'on étire la partie arrière de notre jambe. Êtes-vous prêts? Je crois qu'il est vraiment le temps qu'on start. Donc, bienvenue Isabelle, Nathalie, Caro, Normand, Lisette. Donc, j'espère que vous ne faites pas juste nous regarder, que vous allez vous entraîner. Donc, invitez vos amis, je mets la musique et c'est un départ. Go! Woo! Courage, allez, go! Et je me joins à vous. C'est parti! 20 secondes! Woo! On lâche pas! Deuxième exercice, le squat. Mais c'est vrai. Non, pas le à droite, la machine. C'est parti! Ah! Go!
exercice, deux niveaux. Premier, je me mets de côté, dos droit. Donc, on vient toucher et on descend au genou. Le genou. Au genou. Là, j'ai quelque chose dans les mains, je perds l'équilibre, c'est normal. Donc, je touche. Premier niveau. Deuxième, en bas. En bas. Nous, ce que nous allons faire, le premier niveau, on alterne. Alexis va faire 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre, au niveau 2, donc en touchant au sol. Donc, allez-y à votre rythme. Ce qui est important, le dos est droit, on pousse les fesses vers l'arrière. C'est pas juste le fait de lever la jambe, c'est de pousser comme ça. Donc, êtes-vous prêts? Oui! Wouh! Une minute, gang! 10 secondes. Oui, une minute d'exercice, 10 secondes. Avec mon frère. Donc, c'est parti. Hop, on regarde en avant. C'est supposé tirer à l'arrière fessier. Hop, c'est pas la vitesse, c'est d'aller étirer. On touche pas les genoux. Je peux toucher les genoux ou au sol. On lâche pas. Serrez les abdos. 30 secondes. Oh yeah, pour 20. On lâche pas, Alex? Oui. D'abord, faut aider, c'est ça. Oui. On regarde en avant toujours. Regardez le. La longueur du corps. 3 secondes. Je n'arrête pas la musique. Prochain exercice. On va faire 30 secondes d'un côté, 30 de l'autre. On vient en side. Par la suite, la jambe vient en arrière et on va s'asseoir. Curtsy. Up et up. 30 secondes, 30 secondes. Je pars de ta main. On commence à côté ici. C'est parti. Côté. Curtsy. Up. Descends. Up. On lâche pas. Up. Poussez avec la jambe qui est un appui en avant pour vous remonter. 10 secondes. Up. Pour 5. On change de côté. Curtsy. Up. Curtsy. On lâche pas. Let's go. Oh yeah! Et stop! On prend un élastique. On prend un élastique, ceux qui ont des élastiques. Et là, dis ton élastique. Différents niveaux d'élastique. Le plus fort, c'est mon gars qui l'a. Donc, on vient mettre l'élastique au niveau des chevilles. Ce que nous allons faire. Une minute. Une minute. Je pense que vous allez m'haïr, vraiment. Non, je pense qu'on va y aller avec 30-30. Squat et push. Même jambe. Push. Vous voyez, quand je pousse, mes abdos sont engagés. Sinon, mon dos va creuser. Donc, je serre les abdos et je pousse. 30-30. Il y en a qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas d'élastique. Vous allez travailler pareil. On se prépare. Alexis, la musique, s'il te plaît. Oui. Êtes-vous prêts, Gal? Oui! 10 secondes! Trois! Et squat! Pousse! On garde la même jambe! Pousse! C'est en contrôle! Et pousse!
Oh yeah! Pour 30 secondes encore, pour vrai, non? 4, 3, 2, on change de lever de jambes. Squat. Woo! Up. Oh, yeah. Et vous là? Woo! Pour 15 secondes. Étire. Serrez votre fessier. 3. Et stop. On s'en va au sol. On garde l'élastique pour ceux qui veulent. Parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Donc, deux niveaux. Premier, deux jambes au sol. Mains à plat. Et on vient lever le bassin. Premier niveau. Deuxième. On a un élastique. On va le mettre au niveau des genoux. Un petit peu plus haut des genoux. Une jambe dans les airs. Et on monte. Donc, ceux-là qui vont avec le niveau 2, 30 secondes, 30 secondes. Sinon, le 1 niveau, 1 minute. C'est parti pour 10 secondes. J'ai commencé à remplir le niveau 1. C'est parti! On squeeze! Oh! C'est important de lever. Puis si ça se prend une ligne droite, on pousse, on serre le fessier. Niveau 2! Niveau 2, il vous reste 10 secondes! Pour 5 secondes, niveau 2, on switch les jambes. Niveau 1, on continue avec les deux jambes au sol. Ça arrive que l'élastique vous... Oh yeah.
avancer parce que moi, je passe. On y va, ça. Let's go, Gaël, 15 secondes. Lâche pas pour 10. 5. Let's go, let's go. 3. Et stop. On retire l'élastique. On reste au sol. Prochain exercice. Donc, on est à quatre pattes. Il y a peut-être des messieurs qui regardent. Si vous regardez, faites pas juste regarder, faites-le, vous allez voir que ça travaille. Donc, je monte l'exercice. Quatre pattes, je ne peux pas de dos rentré, je ne peux pas de dos sorti. Je veux un dos plat, abdominaux engagés. Vous allez en faire une minute une jambe. La jambe qui va faire la pression ne touche pas le sol. Donc, on monte. Pendant une minute, on va switcher par la suite. On fait la même chose une minute de l'autre jambe. Donc, je vais tant qu'à faire, je vais vous montrer les deux autres tout de suite. Quand on va terminer ceux-là, notre jambe ici va rester levée et on vient squeezer. Squeezer pour que le hamstring et le glute travaillent bien. Une minute, une minute. Donc, ici, se prépare avec les trois chevilles. Moi, je n'avais pas de poids nappé non plus. C'est bien, mon gars? Ouais. Donc, 10 secondes, on se prépare. On est au sol. À dos engagé pour 3 secondes. 2, pied pointé et on lève. On ne dépose pas le pied. On serre les abdos. On ne creuse pas le dos. Hop! Le pied ne va jamais toucher le sol. On squeeze la jambe. Le fessier squeeze. Pour 40 secondes. 30. On lâche pas. Let's go. Oui, ça brûle. 20 secondes. On descend bientôt 15 secondes. Lâchez pas. Let's go. Hop. 13. Ça brûle. Pour 10. Hop. On touche pas le sol. 5. 3. Et on change de jambe. Oh yeah. Je pars à timer. 10 secondes. C'est bon. Oh yeah, les fesses pour l'été. Hop.
imaginer que vous tirez sur une corde pour l'amener à vos fesses. Guide en diagonale le mouvement. Donc, on va faire ici. Ça, ça sera le premier. Le deuxième, ça sera ici. Donc, ça sera le premier Tabata, crab walk et résistance ici pour le squat. Êtes-vous prêt? Vas-y, Alex. Dis-moi quand t'es prête. Quand t'es prête, je suis prête. À la maison! Ici! Here we go, we're back!
et dernier. Et vous content. Donc, on enlève l'élastique. Prenez-vous une petite gorgée. Je vous l'explique. Ensuite, abdominaux. Donc, ici, 30 secondes. Hop. Pas, excusez, pas 30 secondes, c'est un tabata. Donc, 20 secondes, lève. Ensuite, on fait la même chose pour 4 minutes. Alex, se met les poids. Pour ceux qui veulent, on peut prendre l'élastique. Pour ma part, je vous laisse décider. Alex, c'est prêt? 2 secondes. 2 secondes. Profitez-en. Je vous donne un bec, là. 3, 2, et c'est parti! Attends, maman. Non, c'est bon, c'est vrai. Welcome to the party. Oh, yeah! Woo! Are you ready? Are you ready? Let's go!
Prenez-vous le gâchis! On s'en va au sol. Travaillez les abdos. On a travaillé les fesses. Abdos tapis au sol. On se donne une petite gorgée d'eau. On descend notre tempo. J'espère que vous avez aimé. Je sais que demain, on risque d'avoir les fesses endolories. Ça vaut la peine, l'été s'en vient. On n'a pas d'excuses. On est confinés. Il nous manque 3 jours pour le mois d'avril. J'ai le goût de partir un défi avec les gens, un 30 jours. Je m'engage avec vous. Pour ceux qui s'engagent, je vais faire un groupe. La vidéo sera diffusée dans le groupe seulement. Donc, pensez-y, un engagement de mois, ça peut avoir des beaux résultats. On se met en sol, 2 Tabata. Let's go, baby. Let's go. Donc, le premier Tabata sera couché sur le sol, ici, et on lève une jambe. 30 secondes, 20 secondes ici. Deuxième, pour les débutants, on vient mettre les pieds ici, on vient se mettre en petite boule et on roule. Hop, boule, roule. Pour le niveau avancé, hop, déplace. Hop, étire. Donc, premier, deuxième, hop. Êtes-vous prêts? Oui. Go! Je m'en vais partir. Hop, mon vin va. Touche! Hop! Ceux qui sont derrière, venez ici!
tu te bats. Est-ce que ça va travailler? Un peu. Oui. Un peu. Donc, le dernier, je me mets ici. Les autres ici. Tout ce que nous allons faire, j'appelle ça le coup d'heure. Donc ici, important d'avoir le dos droit. Si on a le dos comme ça, on ne sentira absolument rien. Pieds au sol, ici. Donc ce qu'on va faire, on va venir toucher. Toucher. Ça, c'est le premier. On travaille les obliques, le dos droit, et on travaille le pouce pour que notre ventre pousse vers le sol. Notre premier sera celui-ci. Notre deuxième, ici, push. Pour ceux qui voudront, ça sera le niveau 1. Pour les autres, pousse. Pousse. Donc, rameur, boudeur, et le deuxième, et ensuite, c'est terminé. Donc, êtes-vous prêts, Alex? Oui, non, c'est bon, reste là. Are you ready? La main de fond. Four. On n'oublie pas la main de fond. Three, two, one, go!
Donc, c'est complet. J'espère que vous avez aimé. On a ciblé fesses abdos. Prenez un petit 5 minutes pour vous étirer. Tout ce qui est les jambes. Étirez vos abdos en faisant le cobra. Couché au sol, on vient étirer. C'est un rendez-vous à 5 heures ce soir pour ceux qui veulent, pour ceux qui travaillaient. Donc, il va y avoir une autre forme de training. Donc, ce qui est fun, c'est qu'en direct, vous avez 24 heures pour les visionner. Partagez-les. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que ça va m'encourager à en faire d'autres. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Envoyez-moi vos commentaires si vous avez aimé. Je vous aime. Merci, Hello! Merci, Alex! Salut, la gang! Et merci, la gang, d'être là. Je vous aime gros. À ce soir, 17 h. Bye!